T'es prêt? Je mets 100 balles. Ok, 100 balles. Oui, monsieur, bang bang. Oui, monsieur Bengouz, vous m'entendez? Je sais qu'il y a des gradins, il y a de la place. Franchement, le courant passe. Maintenant, bah, tout le monde. Mon épaule a dit que je sais, je sais, je sais. Le Lion Real, j'ai fait un travail. Julien BR, si t'as des couilles, viens sur le ring. Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et les amis, je suis au volant de mon van. Je suis en route vers le sud de la France et ceux qui me suivent en streaming sur ma chaîne Twitch qui est là, c'est très important les amis, allez-y, qu'est-ce qu'on s'éclate sur ma chaîne Twitch. Je vais vlogger le combat, le grand combat entre Dylan et Benji, le combat de boxe à Marseille. Je vais profiter de ce petit voyage pour aller voir quelques amis à moi que vous allez voir dans ce vlog. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller demander un petit peu à mes amis pour qui ils parient. Et je pense que je vais parier avec eux. Donc on va voir un petit peu combien on peut gagner grâce à Dylan et Benji. Et puis on finira sur le backstage de ce grand combat. C'est la première fois qu'on voit des stars de télé-réalité se battre sur un ring. À la sortie de cette vidéo, vous savez déjà qui a gagné. Pour qui vous auriez misé, vous, avant le combat? Les amis, notre premier arrêt se passe à Aix-en-Provence, chez notre ami Julien Bert. Julien Bert, mon grand pote, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je suis très content de le voir. Et on va voir un petit peu sur qui il aurait parié, puis on va en profiter pour faire quelques petites vidéos avec lui. Oh, regardez-le. Il est là. Non. Il vient de me dire. Parce que c'est un peu le bazar, c'est pas comme s'il allait me pécho. Mais normalement, pour les demoiselles, il fait un petit peu le ménage. Après, il n'y a pas beaucoup de passages. C'est ma vie sentimentale en ce moment. C'est un peu... C'est pas Las Vegas. C'est vrai? T'as perdu ton mojo? Exactement. Oh non. Oula, on parle de la cavache ou pas? Laquelle, la tienne ou la mienne? Les deux. Il a dit on fait pas la vidéo comme ça, je vais aller me faire beau. Bah oui, c'est un minimum. Vous avez vu, il est pas présentable. Les gens m'ont pas vu, tu vois. Le cou est poilu et j'ai 900 kilos. Par contre, il paraît que tu fais du sport en ce moment. Oh, c'est pas il paraît, me force pas à débâcher. Ah putain, il débâche. Ouf. Ah oui. Ouais, ah oui, un petit peu quand même. Ah, t'es massif. Merci. T'as pris de la masse. Tu pèses combien? Mais c'était le but, 87. J'aimerais pas me battre avec lui. Non. D'ailleurs, le petit combat. Le petit combat, eh ben on va en parler après. Laisse-moi aller raser cette moustache de 2 kilos. Oui, c'est vrai. D'accord. Les amis, est-ce que cet endroit vous rappelle quelque chose? Parce qu'on l'a tous vu dans ses stories. Il se filme de sa chambre en transparence en train de prendre sa douche tout nu. J'ai 91% de filles. D'accord, et donc en fait, toi t'es généreux quoi. Moi je donne 100 comptes. Il est dans le don. Putain, quand il prend sa douche, il écoute des musiques de Lover. Je parie qu'il s'abonne comme ça. Moi j'ai un petit truc à te demander. Tu sais, j'ai fini mon tatouage. Mon tatouage que t'as déjà vu. T'es prêt? Mais les cons, ils débarquent vraiment. J'ai colorié les flammes, regarde. C'est quoi cette table? J'ai colorié les flammes. Allez, on coupe. Belle bite. Belle bite. Si tu peux gagner 100 000 balles en faisant une photo... Ah, est-ce que je le mettrai sur 1000? 100 000 balles, mon pote. Mais bien sûr que oui. Ah non. Mais fonce, mon pote. 100 000 balles. Le van, il a besoin de changer ses jantes. Ah, on est d'accord. Non, il a des super jantes. Si tu donnes une partie à une association, fais-le. Ta bite doit nourrir beaucoup de gens. S'arrêter là-dessus, c'est pas possible. Tu sais pourquoi là je suis dans le sud? Je suis dans le sud pour le combat. Ah oui, je suis dans le sud pour le combat. Benji. J'ai prévu de faire des petits paris. Tiens. Sur l'issue de ce combat. C'est vide. Je connais la force des deux et je connais la détermination des deux. D'accord. Mais je sais à quel point Benji s'entraîne. Dylan aussi s'entraîne. Hein. Ah, mais je dis pas le contraire. Hein. Ouais. Et puis Dylan, c'est un sacré client. Hein. Mais moi, j'ai tellement confiance en Benji. Ok. Benji va chercher le KO et carrément. Dylan va être compté. Benji va, ouais, Benji va le mettre KO et je dis... Combien? Je mets ma montre. Oh non, mais non, j'ai pas l'argent. Moi, je mets 200 okay. Sur Benji qui met KO Dylan. Et bah, je tiens le pari. Au deuxième round. Moi, mon propre avis, c'est que je sais que Benji, c'est un mec, genre, c'est un vrai sportif. J'aurais mis plutôt Benji, je pense. Ah. Non, je suis prêt à tenir ce pari. On fait quoi si je gagne? Bah, c'est 200 balles. Avec plaisir. Voilà, dans mais les prochains jours, il y aurait de mieux. En tout cas, je vous embrasse tous et bonne chance à Benji, bonne chance à Dylan aussi.
Ce soir, c'est le combat. J'ai décidé d'aller voir quelques autres de mes amis avant d'aller au match pour faire quelques pronostics avec quelques autres paris. Ils arrivent là, je suis en train de les attendre. Ils sont un peu en retard. Regardez qui est là, les amis. Yes, sir, guys. We are here, man. Ça fait longtemps, ça fait combien de temps? Frérot, ça fait... Ça remonte à Marrakech, je crois. Ouais, RDM, Marrakech. Non? La RDM team, on est là ensemble. Tu viens ce soir? Bien petit sûr, combat. Ah ouais, je viens. Eh ouais, toi, je te demande pas pour qui tu paries. Ah frérot, moi ça va certainement pas être Jilan les gars, moi je vous le dis tout de suite. Je me doute bien. J'espère Samat il va le mettre un peu, enfin il va le déstabiliser. Bah je pense. Hein. Tu veux ouais, mettre un peu de thunes contre moi? Vas-y, je suis. On se fait un petit pari. Tu mets 100 balles. Ok, 100 balles. Et ben moi je tiens le pari, donc tu paries sur Benji, je parie sur Jilan. Ah ouais? Ouais, je m'en bats les couilles. C'est pour qu'il y ait un pari. Vas-y frère. Allez. Ça va me coûter cher cette histoire. Ouais. Que le meilleur gagne. Hein. Exactement, la beauté du sport. Tu pèses combien maintenant, Anto? Ah, c'est un beau bébé. Vas-y, montre un peu les abdos. Ah ouais, c'est fini, quoi. Bon, c'est bon, allez, je me donne Simon. Il débâche. Il va être, il va être content, Olivier Roustan, quand il va regarder ce blog. C'est quoi ce look de livreur, là? Tu as les lunettes ou pas? Bon, dis-moi, si tu veux. Regarde, sans les lunettes. Ouais, remets-les. Ouais. Non, enlève-les. Dis-moi, c'est quoi ton pronostic pour ce soir? Pas qui tu veux voir gagner. Ouais. Ton pronostic. Oui, monsieur. Bang. Oui, monsieur Bengouz, vous m'entendez? Je suis pour Samad, c'est de mon quartier en plus. Moi, je pense qu'on va rigoler. Voilà. Il a 200. Il a 200 tickets, là. C'est que ça, frère, c'est mon patrimoine. Toi, tu dis Benji, moi. Je suis Marseille. Moi, je suis obligé pour qu'il y ait un pari de dire Dylan. Il n'y a pas de match nul. J'aurais peut-être dit Benji, en fait. Je risque de perdre 400 balles dans cette histoire. Au pire, moi, je change de vie, les dégâts me vont revoir. C'est pas un problème. Tu sais que tout le monde mise Benji. Non, mais tiens, Benji, c'est normal, il est petit, trapu, affûté. Ça va se la mettre. Ça va se la mettre fort. Et nous, ce qu'on va se mettre. On va se régaler. De blague. Pour le prochain fight. C'est toi le suivant sur l'affiche. Ah, yeah, yes, sir. T'as pas qu'il mange des popcorn? Il va se battre avec le panier de popcorn. On est dans l'arène. On y est. Il y a du monde quand même. Ça va être quelque chose. Nous, on va aller faire un petit tour en backstage, voir un petit peu prendre la température. Je suis rentré, je l'ai fait rire. Tu ris plus, hein, ce coup-ci. T'es censé être concentré, frère. Là, c'était sérieux, c'était bien. C'était bien. T'es le premier, frère. Il n'y aura plus jamais un premier de la télé à venir se battre pour de vrai. Je suis hyper jaloux. Il faut oser être le premier. Ah ouais, d'où? Parce que là, ils veulent tous le faire, du coup. Ah ouais, tout le monde va vouloir le faire après. Vous aurez ouvert la voie. C'est ça. Mais vous ne serez jamais les premiers. Je stresse pour toi, frère. Je me mets à ta place. Ta classe. J'ai trop hâte de voir ça. Faut y aller et franchement, respect. Merci, mec. Je suis avec toi. C'est le track, hein. J'ai parié tout sur toi. C'est vrai? Ouais, avec tout le monde. Avec tout le monde qui est dans le vlog, j'ai tout parié sur toi. T'as fini un milliardaire. Ah bah là, vu le nombre de gens qui ont parié contre toi, ouais. Ah oui, mais c'est ça, je le sais. Regarde le troupeau avec lequel on rentre. C'est quoi? Paris, frérot. Avec la musique et tout? Bien sûr. Non. Si. Ah si. Vous avez accepté qu'il fasse ça? Pendant 15 secondes. Moi, j'accepte rien. Moi, je vais laisser. Moi, je suis pour lui aussi. En vrai, il s'en tire plutôt pas mal jusqu'à maintenant, donc laissons-le continuer. Ok, d'accord. Bah écoute, je vais partager. C'est pas mal, non? Je vais partager. Bah moi, je suis Team Dylan. Après, je vais aller dans l'autre vestiaire, je vais dire l'inverse. Ouais, Team Benji. Benji, j'ai pas mangé, ça fait 48 heures. Ça fait beaucoup, là. Je vlog. Je vais pas apparaître dans ton vlog. Eh bah, c'est trop tard, t'es dans mon vlog. Mais c'est pas grave, je suis là. Tu supportes qui? Bah, à ton bonjour, avis. Bonjour. À ton avis. Et dis donc, toi. Ouais, j'ai dormi. Et dis donc, toi. Ça fait deux jours qu'il me plante. Qui tu supportes? À ton avis. Benji, c'est sûr. Bah, normal. T'es prêt à parier combien sur lui? Tu paries 100 euros sur Benji? Je parie 100 euros sur Benji. Putain, si Dylan gagne, je vais gagner tellement d'argent. Alors les amis, l'ami bébé, ça fait 3 jours qu'on essaye de faire une vidéo ensemble et ça fait 3 jours qu'il dort. Comment tu l'expliques? Je suis fatigué en ce moment les bébés, j'ai un gros week-end qui arrive. En vrai t'es en tournée tout le temps un peu, donc t'es en tournée tout le temps. C'est vrai que je dors beaucoup en ce moment, je me comprends. Tu te reposes parce qu'après tu repars au combat. Non, on va faire. T'es où ce week-end? À Paris. Cédric. Bébé, ça va, Bastos? Ouais, j'ai pris des paris avec tout le monde. Benji, 2 rounds. Ok, 2 rounds KO. 2 rounds KO. Ah, Benji. Benji va, bam, bam, bam. 100 euros. Vous êtes chaud? Tu sais ce qu'il va faire, Dylan? C'est eux. Le maillot du PSG, ouais. Et la musique. Donc, il s'est permis d'arriver à Marseille, dans un lieu splendide. Il y a plus de ça sacré, pour charrier. Sacré. Parce qu'on a pas du vélodrome, là. Dis-moi, tu n'as pas de respect?
Respecte pas les gens, gros. Au blondiné, tu vas te calmer, J. Moi, c'est Benji, 100%. 100 balles ? Ouais, 100 avec balles. Moi ? 100 balles avec moi ? 100 balles avec toi, quoi. Je tiens le pari, 100 balles. On sait où tu habites. Exactement. On sait où tu habites. On connaît ton band. On sait tout. J'habite dans le parking, là. Tu as voulu nous chambrer ? On sait comment te prendre, tu vois ? J'attends vraiment de voir ce combat. Tu veux pas qu'on te voit en train de manger ? Ouais. Tu es en train de faire part aux réseaux sociaux que tu as la diète ? Non. Du PSG, il met la musique, tu pars des presses. Ouais, mais non, il va pas se mettre le public dans la poche. Essaye de sortir de la ville déjà. Mais il va se faire huer. Voilà, il va se faire mais huer. Non, ça va rester sportif quand même. Oh. Mais ça, c'est trop mignon, Cynthia. Tu lui as fait un beau dessin. Mais franchement, elle s'assoit juste derrière. C'est beaucoup. On est d'accord. Il y a des gradins, il y a de la place. Marseille. Honnêtement, elle cherche. Elle cherche. Non, mais je comprends pas. Elle cherche. Elle casse les couilles. Je suis dans un match. Je suis dans un match. Mais quel est le vrai match ? T'as changé le nez. J'ai fait des injections. T'as fait des injections au bout. Bah ça change tout en vrai. Moi avant je te trouvais genre un 7. C'est déjà bien. Et maintenant je te mets un bon 8,5. Hein. Tu lui mets combien ? Comme toi. 8,5 aussi ? Je sais même pas c'est quoi le but du jeu. Le but du jeu c'est vraiment de mettre l'autre par terre. Moi je supporte pas le bruit des gants, les patates et tout, je supporte pas. Moi je suis pareil. À la limite qu'on me tape, tu vois. Toi je préfère. Franchement le courant passe. Tu sais ce qu'il vient de me dire ? Il vient de me dire franchement je te trouve hyper hyper fraîche. Avant j'aimais pas trop. Avant j'aimais pas trop. Allez va t'asseoir. Avec ta petite pancarte. Allez. C'est ma place, sérieusement. C'est pas ta place. C'est une fesse chacun les deux. Hein. Et je veux pas voir plus qu'une fesse. Allez frérot. Focus. Voilà ça. Allez, bro. Allez. Allez, Benji. Puis la Ninja Warriors. Et enfin, on parle de l'amour. Monsieur Louis Canalis, sous vos applaudissements. Allez quoi ? Dylan, en tant que cul ! Dylan, en tant que cul ! Fais-lui sauter les traces ! Fais-lui sauter les traces là ! Oh, ça fait mal ! Allez, Pitaya, allez! À l'unanimité des juges, le point rouge belge. Alors, il a démonté le Dylan. C'était expéditif. Un round en plus, KO. Maintenant, bah, tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, bah, moi-même, je vais me tenir à l'écart. Bon, c'est bon, nickel. Merci, les gars. Mon épaule, elle est déboîtée. Je sais.
J'ai vu dès 15 secondes déboîter direct. Et après, t'étais éteint, c'était dur. Il y a un rematch. Ouais, il y a le 6 juillet, c'est ça. Ça va, ça a été quand même incroyable. Mais oui, c'est incroyable. Il y a personne qui a fait crier la foule comme toi. Les gars, mais t'as rien contre faire 15 secondes, c'était fini pour moi. L'épaule direct, frère, direct. Et je me suis dit, putain, mes coachs, ils ont pas remarqué. Moi, je l'ai vu. Là où il y a le trou, là, le déboîté, là. Même moi, la caméra, je l'ai vu. Et il me l'a remis. Tu sais que par contre, j'ai été en pause, tu sais, j'assume. Hein. J'ai été en pause les deux minutes et il me l'a remis. C'est, après, c'était où ça où j'abandonne. Mais je peux pas abandonner. Jamais. Je préfère encore. Tu tiens jusqu'à la fin. Très bien encaissé. Et en fait, après, t'as vu, je faisais. Après, il fallait juste tenir. Ouais, c'est ça. Et t'as tenu. Ouais, il a pas volé son truc. Hein. Non, mais là, t'as pas combattu contre Benji, t'as combattu contre toi. Exactement. Tu vois ce que je veux dire. Là, c'est pas. Tu restes un champion. T'as pris tes coups, t'es monté sur le ring. Il n'y a pas tout le monde qui fait, frérot. Hein, c'est le 6 juillet. Celui qui m'appelle, la vie de ma mère, je réponds, frérot. La tête dehors. Moi, je t'appelle. Tu m'appelles. Moi, je t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Il va aller boire un verre. Ouais, s'il vous plaît. Non. Moi, si je défie quelqu'un, c'est pas Nathan. Mais ça arrive bientôt. Julien Bert, si t'es prêt, t'es le prochain sur la liste. On y va tous les deux sur le ring. Merci. T'as fait partie des personnes qui ont voulu détruire ma vie, je vais te détruire sur le ring, c'est bon ? Voilà, merci, voilà. Au revoir, merci. C'est bon, vas-y. Julien, merci. Félicitations. Merci, c'est le boss. Franchement, respect de ouf. Merci à Dylan aussi, hein, parce que... Bah ouais. Et franchement, c'était hyper fair play. Il a les couilles de venir, il a les couilles d'être lui, d'être allé jusqu'au bout, parce qu'il s'est déboîté les poches. Je sais pas si tu allais dans la... Ouais, j'étais là au tout début. Je pense même pour la boxe, c'est un truc de ouf. C'était aussi le but. Mais ouais, aussi parce que... Parce que là, c'était plein. Ça donne envie aux gosses. Ça va ? Oui. Félicitations. Merci. Et allez suivre sa nouvelle chaîne YouTube. C'est quoi la première vidéo ? Non, la première, elle est déjà sortie. Donc là, c'était une présentation, mais il va y avoir toute la préparation du combat, tous les entraînements suivis par Ludo. Ok. Donc vous allez voir ça sur ma chaîne YouTube. J'étais avec Ilan et tout, machin, il m'a dit quoi ? Il m'a dit, t'as vu Anthony Alcaraz ? Ah ouais. Bah ouais, il m'a dit la prochaine fois que je te crois, je t'arrache la tête, je suis devant lui, il a rien fait. Et justement, ce qu'il a dit quoi ? Il m'a dit, tu sais quoi ? De merde, j'aime plus sauter dessus, il m'a fait une pêche. Moi, je trouve qu'il irait mieux pour toi. Ah ouais, toi, concrètement, tu parles ouais. Non, lui, c'est contre qui ? Contre Bébé. Frère, quoi ? Combat contre Bébé. Ah, tu le fais contre tout le monde. Toi, tu t'en bats les couilles. Mais l'année réelle, je lui fais un travail. Il a dit. Oui, je l'ai dit. Mais il lui a même dit à elle. Elle a dit, ouais, t'as la vie de ma mère, la gueule. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? Cofondateur de Fight Nation. Et on va faire le contrat. Non, j'ai dit dans la vidéo de Batou. Ça sera dit dans la vidéo. Julien BR, si t'as des couilles, viens sur le ring. Ah ouais. On est là, est-ce que tu vois ce qui est contrat ou pas ? Donc c'est pas tout ça, mais moi il s'agirait pas que je doive payer tous les paris que j'ai fait. Donc là je suis parti sans demander mon reste, personne m'a vu partir et je paierai jamais. Et voilà les amis, on s'en va. Là c'est le camion qui emmène Dylan parce que malheureusement il s'est déboîté l'épaule. Et puis c'était quand même un peu sympa, c'était un bon combat, franchement respect à eux d'avoir été jusqu'au bout. Par où je sors ? Voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Franchement, on s'en est pas léché les babines, les amis. Celui qui dit, après cette vidéo, que les gens de télé-réalité font du cinéma, moi, c'est un gros mytho, parce que vraiment... Alors là, on peut dire qu'on s'en est mis de toutes les couleurs. Oh, ce qu'on s'en est mis. Ne suis-je pas, les amis, le roi du backstage ? J'ai kiffé faire cette vidéo, j'ai kiffé cette petite journée. J'espère que vous aussi, si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas. Vous mettez un pouce bleu, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et le plus important de tout, les amis, on y est presque. On y est presque. Presque 1 million d'abonnés. Vous ne savez pas les efforts que j'ai fait pour avoir ce pass, pour pouvoir être backstage, pour pouvoir aller dans les vestiaires avec eux. Un jour, je vais finir par être journaliste. C'était trop bien. Je vous dis bonne nuit. Je vous fais des bisous. Oh, ce qu'on va se mettre.